Salut les amis, c'est MM Simulator. On se retrouve pour une petite vidéo test sur nos limites Roller Coaster Tycoon, Roller Coaster Simulation 2, hein, pas Tycoon. Donc c'est un jeu simpliste, très simpliste. En gros, là vu que j'ai une version que démo, donc on peut pas faire grand chose. Voilà, j'ai trois parts, hein, on va prendre celui-là qui a l'air pas trop mal. Allez, donc voilà. Après c'est vrai que il est c'est un jeu qui est quand même bien, parce que je pense que il me semble bien que c'est je vais pas regarder, mais un jeu indépendant, donc il est plutôt bien pour un jeu indépendant, mais par rapport à des roller coaster tycoon, il est un peu basique, je veux dire. Pas vraiment adapté. Il est joli, graphiquement il est joli, mais il n'y a pas beaucoup de contenu, il n'y a pas beaucoup de. Voilà, ce jeu est. D'après moi, pas une perte de temps, mais ça pourrait presque être ça. En gros, dépenser de l'argent pour ce jeu, non. Parce qu'en gros, là, j'ai juste la démo et je pense que l'autre partie est payante. Donc voilà, et j'espère que le jeu va pas rebugger parce que ça commence à me galer. Parce que déjà deux fois c'est un peu chiant. J'ai l'impression que si. Ah putain, vous me faites chier, pourquoi vous voulez pas là? Vous avez bien voulu avant et maintenant vous voulez plus, c'est quoi cette connerie? Donc je sais pas comment je vais démerder. J'espère que tu vas pas bugger, peut-être que tu vas pas bugger complètement comme tout à l'heure. Parce que tu m'as fait chier tout à l'heure. Donc après ce jeu graphiquement il est joli. Bah, il prend. Non, il est pas très lourd en termes de poids. En termes de volume, ça ne prend pas beaucoup de place sur le studio. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est vrai que dans un jeu comme ça, le graphisme n'est pas très important, mais à mon avis, hein, franchement, je préfère jouer un roller coaster tycoon plutôt qu'à celui-là. Parce que, en gros, on peut faire plus de choses, on peut faire pas mal de choses en plus. Non, je pense qu'il va merder. Allez! Donc voilà. Après, franchement, ce jeu n'a rien inventé. Parce que, en gros, Roller Coaster Tycoon, c'est exactement la même chose. Mais je crois que ce jeu a déjà quand même quelques années, il me semble. Peut-être. Ou sinon il est cette année, je sais plus exactement, mais il me semble que je l'ai déjà vu. Il doit pas être de cette année, il doit être plutôt de l'année dernière ou d'il y a deux ans, alors qu'en 2006 il y a quand même plus de contenu, on peut faire plus de choses. Ah non, il bug pas. Ah c'est bien. Bien, je pense qu'il va pas bugger, on verra bien, à moins qu'il bloque quand même.
Il y a plus de contenu, il y a plus d'intérêt à jouer à un roller coaster qui joue à ce jeu-là. Que ce soit le 1. Non, le 1, j'y ai pas joué. Je sais pas à quoi il ressemble. Le roller coaster tactile. Hein. Ouais. Donc, le Roller Coaster Tycoon 1, j'y ai pas joué. J'ai joué à Roller Coaster Tycoon 2 et Roller Coaster Tycoon 3, qui sont de très bons jeux. Je pourrais plus vous les conseiller que celui-là. Parce que, comme vous allez le voir, s'il fonctionne. Pourquoi tu me remets Creating the Train? Ah non, c'est Track tout à l'heure, t'es bien, excusez-moi. Comme vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, comme vous allez peut-être le voir tout à l'heure plutôt, parce que si là le jeu bug, j'avais resté sur le menu pour pas me faire chier, et donc voilà. Par contre, vous verrez aucun rien sur ce jeu parce que il est tellement pourri que. Il est tellement peu évolué que en gros voilà en gros je vous conseille pas ce jeu si vous voulez vraiment rester dans la simulation. Ah non il continue, c'est bon ça passe et donc ça doit être parce que j'ai boosté mon ordinateur juste avant. Donc ce jeu je vous conseille pas, il est pas lourd en termes de poids, mais je crois que Roller Coaster Tycoon non plus, il est pas très lourd. Que le 2 ou le 3 soit pas très lourd. Bon, après il y a des DLC dans chacun, mais c'est pas très lourd non plus. D'ailleurs, si vous voulez, je pourrais vous faire un let's play sur le 2 ou le 3, je sais pas, comme vous voulez. Le 3 serait peut-être un peu mieux, mais voilà, on verra bien. Ah merde, je sais pas comment jouer. Donc voilà, ce jeu, déjà je crois qu'il vaut 4 ou 5 euros en version complète, il me semble. Hein. On va dire que c'est pas cher, mais ça vaut pas ce que c'est quoi. Même 1 euro, c'est un peu cher pour ce que c'est. Parce que pour ce prix-là, je crois qu'on peut avoir Roller Coaster Tycoon 2 qui est équivalent à ce jeu-là. Et qui est tout aussi bien. Donc voilà. Donc là on a bientôt fini. Il va démarrer je pense. Là il va démarrer. Donc voilà, le temps de chargement est un peu long. Après c'est vrai qu'avec le fait que j'enregistre, c'est peut-être dû à ça. Donc voilà, vous voyez, le graphisme est plutôt joli. C'est plutôt bien fait. Et en gros, on est vraiment dans le manège et on a que ça quoi. Là, on va nous le tunnel. On est bloqué, ok. Vraiment graphiquement je dis il est clair, il est net, il est joli, il a vraiment un aspect de réalisme qui n'est pas égalé sur Roller Coaster Tycoon. Par contre, à part faire des tours de manège, il n'a pas beaucoup d'autres aspects intéressants. Si vous voyez ce que je veux dire, parce que là, regardez, en gros, il n'y a pas grand-chose. Hein. On fait ça, on fait des tours de manège, tant qu'on veut, gratuitement, certes. Mais tu ne payes pas plus que ce que tu as payé le jeu, mais tu n'as pas autant de sensations que dans un vrai manège, déjà d'une. Après, c'est vrai que c'est plus réaliste que... Après, c'est vrai que ce jeu est plutôt pas mal dans le fond. Comment ça s'appelle
l'un des derniers. Et après, ce qu'on a en fait, c'est qu'on a le droit de faire autant de tours qu'on veut. Et on peut changer de vue un peu comme sur Roller Coaster Tycoon. On peut changer de voiture. On peut faire pas mal de choses. Donc c'est quand même un jeu qui est assez complet, mais sur peu de choses, parce que franchement je vous conseille pas du tout si vous voulez vraiment faire voilà, en gros je me comprends. Ce jeu, je ne dis pas qu'il est nul, mais il n'est pas un roller coaster, donc voilà, c'est tout ce que je voulais. En plus là il n'y a personne qui monte dans les trucs, donc c'est pas très intéressant. Donc on va peut-être se faire un petit tour et après on va se laisser là-dessus. Là on va arrêter un peu de parler du jeu, on va parler un peu de la chaîne. Et je sais plus comment on change, mais on va voir. De train, mais je sais plus comment on fait, donc voilà. Donc on va arrêter de parler du jeu à proprement dit et on va plutôt parler de ce qui va se passer sur ma chaîne durant les prochaines semaines à venir, parce que en gros durant les prochaines semaines à la fin de la semaine, là, je vais vous présenter un nouveau camion dans Road Truck 2. Et dans ce nouveau camion, je vais vous parler un peu de mon emploi du temps, en gros, par rapport à YouTube, de tout ce qui va se passer sur ma chaîne jusque normalement fin, même mi-décembre, parce que fin décembre, c'est pas tant vrai que ça, c'est plus fin décembre que mi-décembre. Donc voilà. Donc je vais surtout vous parler de mon dans le prochain Scania et un peu de temps en temps des Volvo, j'en ai pris un ou deux je crois, je sais plus. Donc voilà, c'est on va un peu changer de camion. Je vais vous présenter un nouveau camion pour, donc voilà, on va attendre que j'arrive à l'arrêt et après on va se laisser là dessus est arrivé. Donc voilà, c'est tout à peu près. C'est une petite vidéo pour vous, vidéo découverte de ce jeu qui est joli, plutôt joli graphiquement, hein, mais au niveau du contenu ne vaut pas le prix qu'il doit coûter, parce que je sais pas exactement le prix des coûts, mais il me semble que c'est aux alentours des 5-6 euros. Donc voilà. Donc c'était pendant un peu, le temps que j'arrive jusqu'à là-bas et on va éviter qu'il y ait trop de bruit. Donc voilà. Donc dites-nous ce que vous pensez du programme. Parce que je pense que le programme que je vais faire pour moi
novembre-décembre devrait vous plaire. Donc voilà, là on va se laisser ici. C'était MM Simulator. Je vous dis à une prochaine vidéo. Certainement les bleus du routier qui passera vendredi. Donc à plus.